Retiré de la vie publique, Diams continue à partager quelques stories avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 31 mars, l'ex-rappeuse en a profité pour faire une jolie déclaration d'amitié à un célèbre footballeur. En juillet 2022, Diams dévoilait le documentaire Salam, sur Amazon Prime Video, dans lequel elle revenait sur son parcours de vie, les nombreuses étapes qu'elle a dû traverser pour en arriver à la paix qu'elle a désormais trouvée. Très rare dans les médias, l'ancienne rappeuse, dont le dernier album est sorti en 2009, aspire désormais à une vie plus calme, près de ses trois enfants, Mariam, Abraham et Lukman. Dans une rare interview accordée aux Parisiens, au moment de la promotion de son documentaire, Diams avait avoué que sa fille était au courant de son passé de rappeuse. Quand on était encore en France, elle voyait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui pleuraient en me voyant. Elle se demandait pourquoi. Quand elle a été plus grande, je lui ai expliqué, maman était chanteuse, elle faisait du rap, elle était très connue. Avait-elle déclaré. Diams, qui vit désormais aux Émirats et qui n'a aucune intention de revenir un jour dans la musique, continue de temps à autre à partager des stories Instagram avec ses abonnés. Diams fait une belle déclaration à son ami Nicolas Anelka ce vendredi 31 mars, la maman de 42 ans a surpris sa fille en train de regarder son documentaire sur la télévision familiale, et n'a pu s'empêcher de poster une story, attendrie par cette découverte. L'occasion pour l'ancienne rappeuse de poster une autre story sur laquelle apparaît le footballeur Nicolas Anelka, à qui elle a rendu un tendre hommage. À l'époque, ils étaient si peu à me soutenir. Nicolas et sa famille étaient là. Je n'oublierai jamais, a-t-elle écrit. Une sublime déclaration d'amitié au footballeur, qui appréciera sans aucun doute ce doux clin d'œil.